Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur The Company Man avec ce quatrième épisode. On se retrouve maintenant au service R&D, donc recherche et développement, alors que notre personnage vient de dire que sa santé le paie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Donc, on est dans une usine qui fabrique de l'eau, en tout cas qui l'embouteille. Donc, on va peut-être pas être vraiment sur des geeks. Decide, commit, succeed, achieve, succeed. Voilà donc les règles qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les entreprises. Alors, je crains un peu ce niveau. Je me dis qu'on va sans doute tomber sur des armes assez évoluées vu qu'on est au service R&D. Ou des. Voilà, il y a déjà des machines de ce type-là. Donc on va plutôt être sur quelque chose de mécanique plus que du logiciel. Oula, alors il faut bien repérer le chemin des scies. Ah bah voilà, on a déjà une machine à café. De toute manière, on était full et puis on a nos 6 points de vie désormais. Alors heureusement parce que les niveaux sont de plus en plus longs. Ce qui est normal aussi hein, en progressant dans le jeu. On a eu deux boss aussi dans la partie précédente où on était au service comptabilité. La RH et le service client étaient ma foi assez simples. La comptabilité un peu plus difficile. Et alors là, ouais, on a carrément... Bon, par contre, ouais, je commence très mal. Ah bah tiens, c'est une nouvelle compétence. Ouais, alors comment il se combat, lui, s'il arrive à... Allez, on va bourriner. Oh là 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 là, ça va pas être la joie. C'est bon, on l'a eu. Alors ouais, j'avais pas vu qu'on avait donc cette nouvelle compétence, bon, on va l'essayer. Apparemment, ça détruit également tout ce qui est projectile ennemi. Voilà, on nous présente le système de tapis roulant. Voilà, et j'étais sûr qu'on allait avoir ça derrière. Bon, si c'est que ça, ça va aller. Il faudra bien vérifier aussi le sens dans lequel le tapis se déplace. Et alors si on a du combat à faire dans ces conditions-là, ça risque aussi d'être assez épique. Une machine à café, non? Oh là là! Ça n'a pas l'air super quand même ce truc-là. J'aimerais bien me le faire, voilà, on a récupéré un point de vie. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut monter par là. Non, ça nous mène nulle part. Ouh, un de nos potes là en bas. Est-ce qu'il peut popper en haut? Avec sa téléportation, non, j'ai pas l'impression. Il est où? Et je pense que là, il va pas falloir le laisser trop. Ah, il est où? Allez, c'est bon, on l'a eu. Alors par contre, ouais, lui nous prend beaucoup de points de vie. Hein, pour qu'on puisse s'en sortir, on y perd des plumes. Bon, là en bas, on n'a rien. Ok, alors est-ce que ça fonctionne pendant un certain temps? Non, apparemment on continue.
Une tête de mort, d'accord. Donc on doit sans doute pas tomber dans ces trucs-là. Ok. Voilà, il faut suivre entre les déplacements de la scie et puis les déplacements des plateformes. Oh là là, j'entends encore un de nos ennemis là. Ah ouais, ah, ils sont deux en plus. Ah, il va falloir se les faire pour pouvoir continuer. Ah là là, on va avoir plus qu'un droit. Non, on a deux points de vie. Alors, est-ce qu'il va pop ici ? Oh, flûte. Bon, ça, apparemment... Ouais, si, ça fait quand même des dégâts. On l'a pas encore eu. Étant donné que le mur s'est pas levé. Oh, ils sont résistants en plus, hein. C'est bon, on l'a eu. Allez, une petite machine à café, là, ça serait pas de refus. Voilà, decide, commit, succeed. La vieille ritournelle. On va faire attention à pas trop aller vite. Ok. Oh là 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 là. Où est-ce qu'il est? Bon, je préfère le combattre ici. Il vient pas jusque là. On le voit plus, mais je l'entends toujours. Allez! Si on aurait... Voilà, comme ça. Ah, il peut pas nous rejoindre, là, je pense. Hein. Bon, on va attendre de se remettre full. Ah, full, ça va être peut-être un peu long. Au niveau de l'énergie, là, pour lui envoyer des emails dans la tête. Je sais pas si on l'a touché. Je pense que oui. Oh, flûte. Ok, on en a sans doute un troisième. Il descend quand même dans le poison. Alors là, est-ce que la scie va revenir directement? Allez, je tente. Flûte. Oula. Non, 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 non. Alors comment... Oh là 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 là. Ouh. Comment faire là? Comme ça. Ok. Bon, par contre, j'ai plus trop le droit à l'erreur. Là, il nous faudrait vite trouver du café pour remonter la pente. Ah là 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 là. Ah, dommage. Alors, où est-ce que ça va nous remettre? Oh là là, on est super loin. Je suis même plus sûr que ce soit par là, du coup. Non, c'était de l'autre côté.
Quoique non, ça m'a l'air quand même assez correct. Peut-être s'entraîner là-dessus. Flûte. Voilà, on a récupéré notre point de vie. Ouais, si, on a quand même pas mal de plateformes à refaire, je crois. Qu'on se le fasse au cac, lui. Oh là là, on perd tellement de points de vie. Ah, dommage. Alors là, ça va être mal barré, hein, puisqu'on va retomber sur les autres. On a déjà plus que 3 points de vie. On n'a pas de machine à café entre-temps. Ok. Flûte. Bon, ça va être à refaire. Peut-être simplement essayer de fuir pour voir ce que ça donne, mais il me semble que on avait une porte, hein. On pouvait pas continuer plus loin. Ah, c'est ici que les deux doivent apparaître, ou qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que l'on n'a pas fait? On a une machine à café juste derrière, mais alors là, je pense que les ennemis n'ont pas pop. Pas bien là. Ah mais je suis peut-être pas descendu là où il fallait, ok. Ah bah si, c'était là pourtant. Ok, bon bah on va réessayer ça. J'ai encore perdu un point de vie bêtement. Ok. Bien au bon niveau. Ah mais non, on était retourné en arrière, autant pour moi. On n'était pas repassé par ici. Là, c'est vrai que c'est quand même assez délicat, hein, ce passage. Flûte. Oh non, non, Penusco, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais? Alors là, par contre, on va déjà avoir plus que 3 points de vie. Là, je pourrais pas. Oh là là. Oh là là là, bon allez, autant recommencer. On va peut-être essayer d'esquiver les ennemis pour voir
ce que ça peut donner. Ah, flûte. Voilà, on récupère notre point de vie. Et alors là, par contre, ça va être ici en face. Ça risque d'être un peu relou. Est-ce qu'on l'a eu? Apparemment, oui. Alors là, on ne se trompe pas, on monte pas au même niveau, Benusco, on va bien en bas. Allez, ça doit être bon, ok. Là, je me suis pas mal planté tout à l'heure. Là, c'est passé sans accroc. Voilà, on est bon, donc on a nos 6 points de vie. Est-ce qu'il faut absolument se les faire, ceux-là? En voilà un, de fait. Et le deuxième également. Ouais, ok, je craignais de descendre. Ah, voilà notre vieil ami de la comptabilité. Bonjour mon ami. Ah, salut. Ils sont en train de travailler sur l'eau. Qu'est-ce que tu veux dire par processer, voilà, processing? On ne vend pas de l'eau minérale. C'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, on vend de l'eau filtrée. Oh là là, on voit l'eau derrière, effectivement. Je sais pas, c'est des déjections, en fait. C'est l'eau des WC. C'était l'idée de Boba. Elle est une génie absolue. La compagnie ne veut pas que le public le sache. C'est pourquoi j'essaie de construire mes revenus passifs. Tu devrais également, Jim, voilà, de faire des économies, en fait. Alors, par où ça se passe, là, à gauche ou à droite? Non, c'est à droite. Fred a dit qu'il avait un enfant de mon âge. Il a eu un accident et il est resté dans le lit jusqu'à maintenant. Fred a besoin de ce travail pour prendre soin de lui. Alors, machine à café, on n'en a pas besoin, on va en boire un quand même pour le plaisir. Ah ouais. Alors, on ne peut pas les détruire, d'accord. Doit être encore vivant. Non, c'est bon, on l'a licencié. Ah, s'il y en a un autre, oh flûte. Est-ce que c'est le même? Je suis pas sûr. On va essayer de le tuer au cac, hein, parce qu'il faut que je récupère de la vie là. Ah là là, c'est pas vrai. 3 points de vie, c'est pas top du tout. Qu'est-ce que j'ai vu là en bas?
C'est des flatulences qu'on entend, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement. Oh, flûte. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave. On va réessayer. J'ai un peu confondu les touches, là. Donc ça, on peut rien y faire. Ah, flûte, j'aurais dû attendre un peu. Putain. Oh là 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 là, c'est complètement raté la minus, que ce que tu fais. Ça ne va pas du tout. On va essayer de tuer peut-être le pétoman au cac, même si j'ai pas trop envie de m'en approcher pour être honnête. Allez, on a au moins récupéré un point de vie. Alors, est-ce qu'elles descendent? Oui. Elles descendent directement dans le poison, les plateformes. Oh là là, mais je confonds. Voilà, avec ça. Ah, dommage. On va essayer de récupérer un point de vie sur celui-là. Alors, est-ce qu'on pourrait se le faire ici et gagner un quatrième point de vie? Ça c'est fait. Alors lui, je pense qu'il va redescendre également. On pourrait peut-être l'attendre pour avoir 5 points de vie. Voilà, il va arriver. Ah non, il est sur l'autre paroi. Plutôt ici, voilà. J'espère qu'on n'aura pas un combat de boss avec des tapis roulants. Plus des scies, hein, ce serait vraiment un cauchemar. Je pense qu'il est encore là. Alors c'est vrai qu'après le système de destruction des projectiles, ça pourrait quand même être sévèrement utile. Flûte, mais on l'a déjà apparemment. Bon, alors, t'es où toi? Ah! Quand est-ce que ça va finir? Ouh, alors là on va avoir de la plateforme à outrance. Ah ouais, d'accord. Et où est-ce qu'il faut aller là? D'accord. Ici. Flûte. Bon, déjà ça nous fait pas tomber, c'est une chose. Flûte. Ah bah c'est arrêté par la plateforme. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Mon Dieu.
Allez, on reste calme. C'est pas bon. Alors je me demande si on a l'assurance qu'elle se rencontre vraiment quand toutes les deux culminent. Non, je... Ouais. On peut aller à gauche, mais pour moi c'est juste une étape intermédiaire sans lien avec la possibilité d'atteindre la plateforme suivante. Non. Oula, alors là c'était complètement raté. Elle a également. Bon, c'est la crainte de retomber tout en bas également, hein, qui fait que j'arrive pas à l'atteindre, je pense. Non, c'est raté. Pas moyen. Oh là là, faudrait que je repère. Je vais essayer de repérer là au niveau de l'écran. Où est le sommet? Jusqu'à quel niveau il monte maximum? Ok, c'est repéré. À faire. Flûte. C'est à refaire. Allez, plateforme, hein, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que c'est pas du tout mon fort. Ça remonte à depuis Devil May Cry. J'ai eu les premières difficultés avec ce type de choses. Voilà, on y est. Alors, quand elle est sous la deuxième barre, je peux sauter. Non, mais il n'y a rien à faire là. Faire attention de ne pas se faire toucher. Comment il faut faire là? Ah, attendez. Je vois qu'on a une autre ici. D'accord. Ok, bon bah effectivement. Tout s'explique. Alors, j'ai hâte de voir également les boss hein, là ici au niveau R&D. Je pense qu'on va avoir des machines ou des choses ainsi. Oh là là, le péteur. Oh, j'aurais dû me le faire avec le clavier et du coup on aurait récupéré. Flûte. On aurait pu récupérer des points. Enfin, un point de vie plutôt. Derrière. Cela par contre, ouais, au cac, c'est difficile. Hein. Attention à ça. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû passer au-dessus. Ok, là on va récupérer un point. Bon, dans tous les cas, il fallait descendre. Oula, on a des sortes de monstres là dans l'eau et avec les excréments. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sens bien un petit boss là.
Oula! Il m'a l'air des plus résistants. Alors, par contre, on fait vraiment pas de dégâts avec ces emails là. C'est bon, on l'a eu. Aïe aïe aïe. Oh là là, il a une portée de fou. Un deuxième. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de... Mais ils prennent tous des bains. Je ne suis pas assez payé pour avoir à gérer ça. D'accord, voilà un boss. Bon. Ah, une boss plutôt du coup. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Alors quand est-ce qu'on s'est attaqué, toi ma cocotte? Comme ça, mais bon, ça risque d'être assez long. Il faudra être dans le sens où elle va. Alors l'âge 2, maintenant plus j'ai l'impression. Bon, c'est vrai que dans ces cas-là, l'augmentation de la régénération d'énergie serait quand même fort utile. Hein. Voilà, on est face à une manager R&D typique, c'est-à-dire qu'elle a, voilà, elle avait construit une machine pour voler avec un ventilateur. Bon, j'ai comme l'impression qu'on va la recroiser celle-ci. Ah bah voilà. Flûte. J'aimerais essayer de... Ah là 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 là. Bon, elle nous a pas poussé dedans. C'est déjà ça. C'est bon, on l'a eu. On est vraiment sur de la R&D plutôt chimie ici. Qu'est-ce que j'entends ? Flûte, flûte. Oui, oui, oui. Alors, on n'a plus qu'un point de vie. J'aimerais vraiment éviter de devoir refaire tout ça. Oh non, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'était par où? Par là, on va se repayer du coup celle-ci, ouais. Oh là là. Voilà, c'est bon, au cac, ça va bien plus vite. Hein.
Alors, nous revoilà par là. Comment on va se la jouer ici? Ah non, c'est pas encore là. Flûte. Faut que je fasse attention puisque là ça descend quand même dans le... Je pense qu'on le touche là. C'est bon, on l'a eu. Ah oui, on les voit directement sur les WC ici. En train de déféquer. Oh mon dieu. L'eau filtrée qui s'écoule après dans notre bouche. Ce sont de vraies poules pondeuses là. Hein. Que j'entends. La revoilà sur son ventilateur, je crois. Oh là là! Ah, flûte! J'espère qu'on va pas être trop loin. Ah, si, c'est carrément le dernier point, hein, donc... Le dernier café à chaque fois. Non, c'était dans l'autre sens. Alors. Il faudrait que je lui fasse poser le premier ici. Deuxième. Un petit troisième pour la route. Ici, oui, il faudrait que je sois un peu plus patient pour les flûtes. Ou alors tout simplement bah, les esquiver. Je t'avais oublié, toi. Alors, le problème, c'est que là, maintenant, il est revenu ici. J'ai eu chaud. C'est bon, on l'a eu. Voilà, les poules pondeuses.
essayer de prendre une autre compétence, peut-être plus corps à corps qui fait plus de dégâts. Ah, voilà. C'est complètement raté. Ouh là 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 là, et non. En voilà un de fait. Allez, on va essayer de se faire celle-ci. Et qu'on puisse l'attaquer au cac hein, pour récupérer un point de vie. Voilà, c'est bon. Encore des déjections. Ok. Alors, t'es où ma vieille? Il nous manque un point de vie, ce serait bien de pouvoir la terminer au cac, mais j'y crois pas trop. Dommage. C'est bon, on est full vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là, un boss à nouveau ? Doit descendre. Machine à café, on est full. Ouais, on doit avoir un boss là derrière. Le slam semble fort radioactif. Ouais, ok, bon. Cette poupouateur, c'est la... Cette eau d'excrément, c'est la perle noire de l'entreprise. C'est le thé. C'est pour ça qu'il m'appelle Boba. C'est pas normal. Ah, un guerrier du clavier. Comment est-ce que tu penses qu'une eau, qu'une compagnie qui fait de l'eau peut travailler sans eau? Bon, alors attention, là ça va être chaud, chaud, chaud. Ok, donc là il envoie ses machins. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Oh, après, encore une fois, il faut comprendre le pattern, j'ai envie de dire. Ah, oh, mais c'est des toilettes. C'est des toilettes qu'il a à l'avant de son véhicule. Oh, mais tu viens au cac. Alors lui, il a pas mal de différentes façons de procéder. Oh flûte, j'ai recommencé ça. Oh là là, bon c'est très mauvais là. Ouh là là là. Ouais mais alors là, comment faut faire? Faut sauter par dessus, faut. Ouais bon, on doit pouvoir esquiver en saut. Ouais, sauf quand c'est là, je pense. Ah non, là c'est vraiment difficile. Hein. Oh non, j'ai recommencé, c'est pas vrai. D'accord, donc quand il est au sol, il balance des trucs. Alors on pourrait peut-être juste essayer, lorsqu'il fait ça, de l'éviter. Enfin, d'éviter ses grenades... Ah non.
Comment l'éviter, ça? On va essayer en faisant des sauts. Ok, je pense que c'est évitable, finalement. Voilà, après, on attend qu'ils viennent sur la plateforme. Ouais, là, c'était raté. Ah, il en fait quand même pas mal de tirs. Hein. Alors est-ce qu'il en fait jusqu'à ce qu'on le touche? Non. Le voilà. Oula, ça c'est nouveau. Ah, c'est pas vrai. Je me disais que c'était jouable, mais là... Ah, flûte, dommage. Allez, donc on n'oublie pas qu'au début, la Benusco, ben on a un truc, voilà. On va éviter au début. Ce qui sort de son WC là. Allez, descends, Naboo. Oh, flûte! Oh là 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 là. Et alors là, il est encore pas descendu une fois, hein, donc autant vous dire que ça va être chaud. Flûte. Oh non. Deux points de vie. Je sais pas si en lui faisant des dégâts ça le fait descendre plus rapidement, j'ai pas l'impression. Allez, viens vite. Alors là, je me paye le double. Ah, flûte. Ouais, alors là, c'est pas évident quand même. Hein.
Ah, il nous envoie ça direct. Allez, descends de ton vaisseau là. Ah, j'ai sauté trop tôt. Ah non, une deuxième. Ah, ça va être chaud. Oh là 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 là. Alors là, il en faudrait pas une troisième, hein. Ah, je pense que j'ai raté le coche. Flûte. Plus que deux points de vie, ça va être fichu. Oh là là, ah, est-ce qu'on l'aurait eu? C'est bon, ouf, c'était tendu quand même, hein. Allez, un café gratuit. Remporté. I'm pooped. Alors peut-être qu'il y a plusieurs cafés par niveau, je ne sais pas. Ah, revoilà le chairman. Fred. Ah mais Fred, c'est l'homme qui est là-bas à genoux, ouais, effectivement. Fred. Jim. Tu es devenu un vrai guerrier du clavier. Maintenant, on doit savoir si tu es un vrai homme pour l'entreprise. Ici, donc maintenant, on va faire ton prochain entraînement, ta prochaine formation au management. Il a divulgué nos petits secrets par rapport à l'eau de Boba à la presse. On ne peut pas se permettre d'avoir des faiblesses dans notre organisation. Souviens-toi de mon fils, Jim. Licencie-le. Non. Bon, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que j'ai pas le choix que de le licencier, non? Je pense pas qu'on ait des choix, hein. De toute manière, il faut le licencier. Allez, bah désolé, Jim. On doit progresser dans le dans la société. Donc voilà, les certificats de réussite. Le spam d'email. Envoie par email un flux continu de citations, de motivation à tes collègues, afin qu'ils puissent même plus retrouver leur liste de tâches de travail. Damage 10, énergie cost 3. Alors ça doit être un nouveau système de combat à distance, j'imagine.
Maintenant, tu peux... Je peux te faire confiance. Je n'avais pas de choix. Je n'avais pas le choix. Alors... Ah ouais, d'accord. Alors, il faut trois énergies. Alors après, c'est un peu long à utiliser, à lancer tout du moins. Allez, on va prendre l'ascenseur, là, je pense. On va se faire troller un petit peu. Ok. Allez, nous revoilà donc du coup dans le hall d'accueil. On va regarder ce que l'on prend ici. Bon, alors on a toujours le choix par rapport à la vie. Une barre de plus. Une barre d'énergie supplémentaire. Une amélioration ouais, de la régénération d'énergie. Voilà, on pourrait détruire les projectiles avec les attaques de mêlée. Et 5 secondes d'invulnérabilité quand on est sur la dernière barre de vie. Ça m'intéresse pas des masses. Je me demande plutôt si on prendrait une barre de vie supplémentaire ou bien la régénération d'énergie qui peut être utile pour faire plus de dégâts. Allez, on va prendre ça. Ah, il nous reste encore un ticket apparemment. On va prendre de la vie, allez. On va aller voir Alice. Jim, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as licencié Fred? Tu ne comprends pas. Ah, je suis déçu. Il allait détruire la compagnie. Tu aurais perdu ton emploi. Ne tourne pas les choses autour de moi. Je ne pensais pas que tu serais un froussard. Je pensais que tu allais changer les choses. Prends ton badge et va-t'en. Allez, bah maintenant on est passé au marketing. Allez, j'en ai terminé avec ça. Elle ne comprend pas. Voilà, bon bah écoutez, hop. On en a terminé avec la R&D, la recherche et développement. On peut maintenant évoluer au niveau du marketing. On regardera tout ça dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut !